et que ça m'a fait une inspiration. Et tout ce problème qui est pour la magnétophone, c'est pour le CD, appareil. Donc, je vais interpréter une chanson dans mon album. Oui, dans mon album. De la souffrance au pouvoir. Le titre, c'est De la souffrance au pouvoir. De la souffrance au pouvoir. C'est une chanson que l'Éternel m'a donnée. Parce qu'il a passé mes preuves mingi na vie nanga. Parce que j'ai passé dans beaucoup de difficultés dans ma vie. Et na limi kolobaki. Nzambe aibi pourquoi a permis mes preuves na vie na biso. Et je vais dire dans cette chanson pourquoi le Seigneur permet les épreuves dans notre vie. Ce que Dieu permet dans notre vie a de la valeur. Il n'y a rien qui peut arriver ou que Dieu va permettre pour que ça n'a pas de monter. Il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie qui n'a pas d'importance dans ta vie. Il y a des vases d'honneur où Dieu, avant à utiliser, il faut passer en haut d'un mot de mourir ma casse. Il y a des vases d'honneur que quand Dieu veut les utiliser, il faut que ça passe par le feu. Des fois, tu ne vois pas les nuages. Tu ne vois même pas les cieux. Qui m'a surtout Essili. Tu peux entendre des prédications, des prédications, mais pour toi c'est fini. Au côté de jeûne, au bas retraite, mais solution en termes qui était. Tu fais des jeûnes, tu entres à la retraite, il n'y a pas toujours de solution. Et même au côté qu'on appelle ma prédication, il y a ma prospérité, bénédiction, ça c'est pas pour moi. Et tu commences même à réviser les prédications sur la prospérité des autres. Tu dis Seigneur, moi viens seulement me chercher pour partir parce que c'est bon. Amen. Parce que j'ai déjà attendu, j'ai déjà assez attendu, j'ai déjà tout fait. Je pense que moi, tu m'as réservé pour me prendre. Tu ne crois plus à rien. Tu crois au Seigneur, tu crois à sa parole. Mais carrément, ça te fait mal d'attendre toutes ces prédications de l'espoir. Amen. Donc, ce genre de niveau des épreuves, tu arrives à ce niveau, tu ne veux seulement attendre parler du ciel. Amen. Et d'un coup, le Seigneur se manifeste. Aussi grand était ton épreuve, aussi grand le Seigneur te bénira. Alléluia. Et je voulais aussi dire une chose. Dans les épreuves, c'est là que Dieu va faire de toi une adoratrice ou un adorateur. Dans les épreuves, c'est le moment où tu vas faire meilleure rencontre avec le Seigneur. C'est le moment où il faut adorer. Ce n'est pas quand tu es béni. C'est le moment où tu vas tout donner. C'est dans les épreuves. Nous avons besoin de l'ingé éduquer mon anaïe. Si Dieu veut éduquer son enfant, si Dieu veut que l'enfant grandisse, un jour nous avons dit que je ne suis pas un papa gâteux. Un jour Dieu m'a dit je ne suis pas un papa qui gâte. Tu plaires et je donne. Tu fais comme ça et je donne. Je vais te discipliner. Je vais t'amener à un niveau que tu sois grand. Et puis que tu es là, mon tout. Et que tu ne regardes personne. Mes bien-aimés, je regrette d'ailleurs que la prochaine façon de me permettre de organiser un et ça peut être sur Internet, sur YouTube. Je l'ai reçu au moment où j'étais en train de pleurer. Et là, Dieu m'a donné cette parole. J'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire jusqu'à la fin. Amen. Et chaque fois, nous avons un témoignage. Et à chaque fois, j'ai reçu des témoignages. Et ceux-là qui écoutent cette chanson ont reçu un peu de courage. Ils ont marqué surtout que nous avons un peu de temps. Et Dieu t'a fait pour un but. Dieu t'a créé pour un but. C'est pas pour pleurer, pour être dans le désarroi, dans le mawa, dans le tamsoukoulé là. Mais il y a un but. Non, Dieu ne t'a pas créé pour le malheur, mais Dieu t'a créé pour un but. Donc pour le bonheur. Il a dit ça dans sa parole. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Amen, amen. Les projets de paix et non de malheur. Amen, amen. Pour te donner un avenir. Gloire. Et j'ai vécu cette parole dans ma vie. Amen. Et j'y crois. Que au cours de vivre parole wana na vie na yo persévérer et reste surtout à ton poste. Et je crois que tu peux vivre cette parole dans ta vie, mais reste là où toi tu es. À ton poste. Quand le Seigneur va envoyer un ange pour te bénir,
quand il va descendre dans ta vie pour te bénir, il faut qu'il trouve, il te trouve à ton poste. Alléluia. Qui pleuve, qui neige, qui est du monde, qui n'est pas du monde. Qui, autant qu'il y a un mot dans la carte à l'église. Et si quand on va placer qui est, tu vas le bonder la kawana, tu vas le bonder là. Que tu restes seul dans ton église. Si tu es à dire, reste là, prie, et Dieu te bénira. Parce que après qu'on trouve une place wana. Parce qu'il va te trouver à l'endroit précis. Habakkuk à sa kina poste là. Habakkuk était à son poste. J'étais à mon poste. C'est là que Dieu va te trouver. Soit vous croyez qu'au Kangaelo, qu'au Moro dans le Balélo, reste à ton poste. Si tu veux retenir quelque chose, je te dis, reste là où Dieu t'a placé. Et ne cherche pas de grandes choses. Lui-même, il est là pour te donner des grandes choses s'il veut. Reste seulement à ton poste. S'il faut balayer, balaye. S'il faut prendre soin des autres, prendre soin des autres. S'il faut servir les autres, sers. Reste à ton poste. Amen. Amen. Je ne sais pas si mon frère peut m'accompagner. Ta fidélité durera toujours. Vous connaissez Saul et ses sons. Chanter avec moi.